D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un pack opening. Alors aujourd'hui un pack opening plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ça change d'habitude où j'ai des pack opening qui sont vraiment pas top des fois. Mais donc celui-là est pas mal. On a un petit coffre de défi à 9 victoires. Donc première fois. Non, c'est pas la première fois que je réussis un défi entièrement. Mais en tout cas ouais, ça faisait quand même longtemps que j'ai pas réussi de défi à le finir entièrement. Souvent je faisais au maximum 8, 9 sur 12 ou 5, 6 sur 8 ou 9 ou 10 ou par exemple 8 sur 10. Donc ça m'est déjà arrivé d'avoir un coffre parce que vous savez que des fois il y a déjà moins de 9 victoires pour avoir le coffre complet. Mais 12 victoires ça m'est déjà jamais arrivé. 11 oui, mais 12 jamais. Mais donc là j'ai réussi, ça faisait quand même longtemps que j'ai pas fait de défi entièrement. Donc ça fait un bon petit coffre. On a de coup 5 rares au minimum. Ensuite coffre de clan. Et ensuite coffre géant. Que j'ai obtenu il y a pas longtemps. Ok. Donc on va s'ouvrir ça. Donc allez, prendre coffre gratuit, on commence direct. 2 cartes, dommage. 97 d'or. Une boule de feu. Et 12 gargouilles. On est bientôt à 160 000 d'or, je vais voir. Donc ça c'est cool. Alors ouais, j'ai augmenté le géant. Je vais augmenter le géant bientôt là au niveau. Niveau 10, ça va coûter 50 000. Et puis après, je verrai ce que je ferai. Je pense que j'augmenterai les cartes. J'ai 100 000 pour augmenter les cartes, donc ça va. Comme ça, je me rapproche un petit peu du niveau 13. Bref, du coup, il y a premier coffre d'argent. 74 d'or. Une boule de feu. 12 bombardiers. Pas ouf. Hein. Après, c'est des coffres d'argent, vous allez me dire, mais bon. 83 d'or. Cabane de barbare, une seule. 12 gargouilles. Ok. C'est parti pour le coffre en or. Le dernier coffre, je dirais qu'il est pas super. Mais les autres devraient être quand même beaucoup mieux. Donc 234 d'or. 5 squelettes. 11 chauves-souris. Pas ouf. Il va bombarder. Et même pas des pics. 5 chauves-souris de cochon. Bientôt niveau 9. On se rapproche du niveau 9 pour le chauves-souris de cochon. Donc ça c'est cool. Donc là il nous reste du coup 4 coffres. J'ai rien au niveau du coffre de clan. Non, rien du tout. Donc là c'est parti, on va faire le coffre à couronne. C'est celui qui a le moins de cartes intéressantes. Quoique des fois ça peut arriver. Une petite légendaire arrive, ça peut arriver. Donc là quasiment 6 ans d'or. On a 2 gemmes. On a 15 esprits de glace. On a 28 chevaliers. On a 31 géants royaux et peut-être une épique. Et non, des rares, 3 mousquetaires. 8. Ok. Hop là. Donc là coffre géant. On va faire le coffre géant d'abord. On va faire dans l'ordre coffre géant, coffre de clan et coffre de défi. Quoique le coffre de clan à la fin ça peut être pas mal parce qu'il y a plus de chances d'avoir une légendaire je pense. Donc on fera le coffre de clan à la fin. Donc 860 d'or. Oh, une épique, il reste 3 cartes. Mais il me fallait 2 épiques. Enfin pour un coffre géant je sais pas. Attendez. Pour un coffre géant je crois que c'est une épique, coffre magique c'est 4 épiques. Je crois ou c'est 2 épiques pour un coffre géant, je sais pas. En tout cas il reste 3 cartes après. Du coup ça sera bon. Donc 27 boules de feu, attention, juste après si on voit la couleur de la carte, le petit 1 en plusieurs couleurs, on a une légendaire. Non, on n'a pas de légendaire, non. Donc 31 chevaux de cochon, du coup ça sera une épique. Dommage, hein, déçu. Déçu parce que comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, ça fait longtemps que j'ai pas eu de légendaire, donc je suis assez déçu. Donc on finit sur... Ah oui, les communes, c'est vrai qu'il y a pas, j'ai même pas vu les communes, c'est vrai que j'ai oublié les communes. Donc 228 chauves-souris. C'est vrai que j'ai oublié les communes, j'ai complètement oublié. Donc là niveau 9 on va passer niveau 9. 200 XP en plus, hop là. Donc on va sortir le coffre de défi. Mais je suis un petit peu déçu, ouais, j'aurais bien aimé une petite légendaire. 1100 d'or. 1 guérison. 8 chauves-souris. 4 chauves-souris cochon, une épique peut-être. Même pas 37 bombardés. C'est pas ouf hein. Bon après au niveau de l'or c'est pas mal. Mais sinon c'est pas ouf je trouve. Ensuite on va faire le coffre grand. Là j'espère vraiment une légendaire. Vraiment alors là. Ça fait longtemps, ça fait super longtemps. En fait depuis la mise à jour je n'ai pas eu une légendaire. Pour vous dire. Donc ça fait quand même relativement. Donc voilà depuis la mise à jour j'ai pas eu une légendaire. Donc ça fait relativement longtemps que j'ai pas eu de légendaire. Donc j'espère vraiment en avoir une. Donc là c'est parti, on commence avec le coffre de clan. Donc là attendez, il nous faut au moins 2 épiques et 27 rares pour avoir une légendaire. Donc voilà j'espère. 2 épiques et 27 rares.
Donc 1620 d'or. 14 clottes, donc commune. Commune encore 22 gangs de gobelins. Rare 7. Commune 102, c'est pas assez, on a trop de communes éparpillées là, c'est pas ouf. 103 chevaliers, on n'aura pas de légendaire les amis. Non, ça fait super longtemps que j'ai pas eu de légendaire. Après, je vais peut-être partir pour un petit pack opening du coffre magique dans une prochaine vidéo. Il me reste 8700 gemmes, donc pourquoi pas, mais bon, ça coûte quand même relativement cher. Je crois que je pourrais en ouvrir que un plus coffre, parce que ça coûte 4700, donc c'est vraiment très très cher. Mais en tout cas, j'aimerais bien avoir une légendaire, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas eu de légendaire, donc je suis un petit peu déçu. Mais donc là, ce sera sûrement des rares, hein, puisque je n'ai pas eu le GX7 sur 22, donc voilà, 20 mini PK. Et donc pour venir de l'épique, deux épiques, deux gardes. Ok. Donc ouais, c'est vraiment pas ouf. Donc ouais, 8 000, il me reste 8700 d'or. Gemmes, pardon, 8700 gemmes. Et les coffres, ça coûte 5000, presque, hein, 5000 le super coffre magique. Donc c'est énorme, ça fait 50 euros, quoi. 50 euros. Après, à la limite, je pourrais ouvrir un petit coffre magique. Ouais, on va ouvrir un petit coffre magique. Allez. Allez, pour le fun, petit coffre magique. 1200 d'or, 11 squelettes, 36 mortiers. Ouais, les communes sont encore une fois trop trop espacées. Il y en a trop trop peu à chaque fois. Genre, ouais, donc 46. Une épique Angoulême. 25 roquettes. Non. Oui. Non, j'y crois pas. 3 bourreaux. 3 bourreaux, une épique. Et donc là, vous voyez quoi? Vous voyez que ça s'illumine. Oh, ça fait plaisir parce que là, j'ai dépensé 800 gemmes, je crois, pour le coffre magique. Donc c'est une certaine somme. Mais bon, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal parce qu'en fait, voilà, ça faisait quand même super longtemps que j'ai fait une légendaire. Et donc là, pour une fois, comme je l'ai dit, une légendaire, enfin, ça fait plaisir. Donc voilà, je prends un petit coffre magique, j'ai une légendaire, ça fait quand même plaisir. Pour 800 gemmes, c'est quand même pas mal, c'est quand même bien rentabilisé, je trouve. Comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je n'en ai pas eu, donc j'espère. Voilà. Enfin, en tout cas, ça fait plaisir parce que là, déjà, on a le petit 1 qui s'illumine en plusieurs couleurs. D'ailleurs, je vais faire un petit screen parce que c'est la première fois que ça m'arrive depuis la mise à jour. Et donc, j'espère. Donc, là, on aura la nouvelle animation. Donc, c'est parti. Hop, 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 hop. Attention, c'est quoi? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Sorcière de nuit. Waouh. Et c'est trop stylé. N'empêche, niveau 2, yes. Ça, c'est cool. Trop stylé, n'empêche, l'éclairage et tout. En plus, c'est un multicolore là sur les côtés. C'est vraiment trop stylé. Donc, là, on passe niveau 2 direct. On va passer niveau 2. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Donc voilà, petit coffre magique que je paye 870 gemmes. Bon, ça coûte quand même assez cher, je trouve, hein, presque 9 euros. Mais bon, en tout cas, petit légendaire, ça fait plaisir, on passe niveau 2. Ça fait longtemps que j'ai pas de légendaire, comme je l'ai dit. Et comme ça, j'ai pu tester la nouvelle animation, donc ça fait quand même plaisir d'avoir la nouvelle animation. Donc voilà, bah, en tout cas, j'espère que ce pack opening vous aura plu. Il est quand même plutôt pas mal. Il est quand même plutôt pas mal, à la fin, c'était vraiment top. Vraiment, il n'y a pas mieux. J'aurais bien aimé une petite princesse, mais bon, la sorcière de nuit c'est pas mal parce que comme ça je peux la passer niveau 2. Mais sinon, voilà, je suis quand même pas déçu, pas déçu du tout. Donc ce petit coffre magique que j'ai payé 870 gemmes, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bah, en tout cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao.